Moi, ce que j'aime dans Imra, c'est l'open source. Il y a plusieurs briques et c'est le fait qu'on puisse voir à l'intérieur. J'étais content de venir là, au forum, justement pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de Imra et ce que vont apporter les prochaines versions. Voilà, et donc moi, je suis contente de venir ici, en fait, pour voir les nouveautés des produits, voir un petit peu comment on va faire, quelle mise à jour on va prendre et puis avec qui on va effectivement travailler sur ces mises à jour. I'm really excited about this year that we are going, that we are presenting Chat, Drive, see all the partners, all the activity around Imra. It's so great. So I'm excited to meet the partners and talk to them. And I'm here to understand what French market needs, because take care about the customer directly in the territory is very important for us. Imra Farm France is always a good place to find the coolest guys here in France to meet people. I mean, not only good Imra customers, but also tech guys, open source guys, and people that really enjoy open source world philosophy. Et nous sommes éditeurs d'une solution de téléphonie communication unifiée qui s'intègre totalement avec Imra, d'où notre présence aujourd'hui. I have been coming here for several years now. It's always very interesting, and the internet is all good, nice and good, but sometimes shaking hands and changing business cards is also part of the deal. Nous sommes venus au forum Imra pour un petit peu, on va dire, évaluer les nouveautés, prendre en compte, on va dire, l'évolution du produit et comprendre comment, ou quelle perspective ils veulent donner à l'évolution de ce produit-là. La participation au forum, elle est là pour promouvoir l'outil Imra, pour le mettre en avant, pour rassurer, on va dire, les gens sur cette solution, pour leur dire qu'il y a un écosystème d'entreprises qui sont capables de le promouvoir, de l'installer, de le déployer, de former les gens, d'apporter un vrai service autour de cette solution. Je suis venu au forum pour connaître un peu les évolutions, parce qu'on était un peu dans le brouillard ces dernières années, donc j'étais content de voir un peu les perspectives que Imra apportait à travers l'exposé qu'ils ont fait ce matin, entre autres les responsables de Synaccor, donc ça nous a rassurés sur l'avenir de Imra et la pérennité du produit. Oui, on voit qu'il y a de l'activité, on voit qu'il y a peut-être une deuxième jeunesse qui s'ouvre pour Imra. Il y a eu un petit peu de rachat ces dernières années, mais j'espère que là on est sur une nouvelle ère de stabilité et il y a une vraie appétence pour l'open source, pas simplement dans le monde de l'éducation ou dans le monde du secteur public, mais dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les ETI, que ce soit les grands comptes.